Splooch. Petit jeu d'horreur du coup, avant de se laisser, qui s'appelle Présence, pendant que Kiki fait je sais pas quoi derrière. Kiki! Ah, bah on va voir Kiki. C'est parti. Il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Ah! En moyenne, le jeu dure 30 minutes lorsque vous vous asseyez pour jouer, prenez du temps libre. Quoi? Ah! J'ai pas compris. Prenez. On va prendre du temps libre, hein. J'ai pas compris. Comment ça, prenez du temps libre? Qu'est-ce que le jeu me raconte? Pourquoi le jeu me donne des ordres comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Voilà, il va falloir que je fasse du cap management. J'ai un... En fait, c'est pas un souci de... Attendez. Merde, attendez. Juste que je fasse un truc. Oh, j'ai des pieds! Là! Est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Ouais, parce que j'ai vu que j'ai tout bougé mes écrans, j'ai tout bougé mon setup. Il y a des trucs qui sont pas encore tout bons. Ah bah c'est mieux. Ma sensibilité par contre est accrue. Alors. Ah, c'est peut-être un jeu russe. Oula, c'est quoi cette lenteur de marche? Ouah, je peux pas courir! Oh merde. 13. C'est fermé. Ah, on est dans un hôtel? Traduire! Ah, c'est gentil. Il est recommandé que la personne ayant le pire comportement soit affectée au devoir. Est-ce que ça serait pas une traduction Google Trad? Possible! Non, du préposé, infraction. Hein? À jeter une côtelette dans la salle à manger. Oh, c'est pas bien. À casser le verre dans le couloir. À effrayer les filles avec une souris. À frapper Shabanov à la tête avec un manuel. Manuel. A dormi pendant la leçon, a essayé de se faufiler dans la cuisine après. Après quoi? L'extinction des lumières. Être entré dans la cuisine après l'extinction des lumières. A caché le pointeur de l'enseignant sur l'histoire. Hein? A versé de la soupe et de la gelée dans un pot de fleurs. Ça va. C'était beau. Pour nourrir la plante. A étaillé la porte de la salle des professeurs avec une chaise. A bordu Shabanov au cou. Ah. On a des loups-garous ici aussi. Oh, j'ai cru que c'était une fissure. Tout est fermé. Ah, clé! Clé. Est-ce que j'ai un inventaire? Non. Pom pom poloum. Ouais. Ah bah bonjour. Salut. Bonjour madame. C'est pas une manière de faire la sieste. La sieste. Il s'est passé des trucs ici. Oh non, une map. 1, 2, 3, 4. Ok. Le screamer mouche. Oh mon dieu. Le screamer mouche. Oh, petit chat! Putain, mais j'ai peur, bordel de merde! C'est quoi ça? Y'a rien du tout ici? Mais attends, elle flotte! Je pensais qu'elle était sur les barres. C'est normal. Elle flotte ou elle est pendue? Salut? Oh putain. Je sais pas. C'est bizarre. Ah! Un petit dessin de coupage de main. Non, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Non, 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 cassos, cassos. Ça j'aime pas du tout. Puis sur le bouton.
ton gauche la souris. Je peux pas le bouger, c'est trop lourd. J'ai besoin d'un levier. Putain, mais les enfants sont légèrement dérangés ou c'est moi? Waouh! Non, mais là, niveau 100, c'est tapissé, hein. Traduire. Mercredi soir, c'est une sorte de cauchemar. Maman, j'ai peur, nous avons tous très peur. Nous sommes assis sous les lits depuis 2-3 heures. Nous ne comprenons pas ce qui se passe et ce que nous devons faire. Lieu de bof, Soviana, nous a rien dit de ce qui se passe. Elle a couru dans la pièce, nous a tous réveillés. Elle a dit de se cacher, de s'asseoir tranquillement et de ne pas quitter la pièce à tout prix. Vous pouvez entendre des cris et des crashs du haut. Des crashs? Un coup de mort. Quelqu'un a cassé la vitre et a sauté par la fenêtre par le haut. Maintenant, une respiration sifflante et des gémissements juste devant notre fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime beaucoup, maman. Quoi? C'est bizarre, ça allait pas avec le reste du truc. On voit rien dehors. Oh putain, c'est pas un Teddy pour une fois. Il n'y a pas de levier, hein. Ah! Oh! Levier. Q pour afficher l'élément. Ah, d'accord. Ok. Tout va bien. Je suis sur le bouton gauche. Ah, quelle force! Pouf! Et ben voilà. Putain, on voit que dalle. On dirait que le fusible est fermé. Cassé plutôt, non? Oh, je vois rien. Non, mais je vois rien du tout, hein. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée. On est d'accord, c'est pas une bonne idée. Q pour afficher l'élément. J'ai pris quoi, là? Deux. Ok. Et je peux pas pousser ça. Non, mais parce que ça, c'est pas lourd, hein. Alors ça, pas de soucis, mais ça non. Où est-ce que je trouve un fusible? Ah, attends. Merde, je suis coincé. Il y a toujours la meuf qui flotte? Oui. Là, non, je peux pas en récupérer un? Non. Les déplacements font mal aux yeux? Pourquoi ça rame? Moi, ça rame pas de mon côté. Ah bah faut pas que j'aille là, c'est trop sombre. Faut que je trouve un fusible. Ouais, mais où? Un fusible ici? La meuf, c'est Moïse. C'est Moïse, mais par contre. Attends, quoi? J'ai vu un truc. Où je vais trouver mon fusil, moi? L'adaptation du déplacement à la caméra qui m'a perturbé. Ah. Guili-guili? Il faut pas que je retourne en arrière. Ah si, peut-être dans le truc qui était fermé au tout début, là. Mais pourquoi ne serait-il plus fermé? Il est toujours noté Live Cuisine Cannibale? Ben non, j'avais changé le titre. Et ça, je peux pas. Ah, si, si. Voilà. Pas de screamer mouche, s'il vous plaît. Une hache! C'est pas ça que je voulais. Et ça, c'est quoi? Oh, putain, c'est bien en évidence et je peux pas le prendre. Une hache? C'est un fusible que je voulais. Jeudi matin, nous sommes assis sous le lit toute la nuit, tout mon corps me fait mal, j'ai vraiment envie de boire. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans le couloir, quelqu'un passe de temps en temps devant la pièce, la porte est fermée, je ne vois pas qui. On entendait les cris des enfants 10 ou 13 fois par nuit, c'est difficile de. À dire avec certitude. Ils ont crié, pleuré, suppliant de les laisser partir. J'ai toujours leur cri dans ma tête. Qu'est-ce que c'est? Sous la fenêtre, la respiration sifflante et les gémissements se sont calmés avant l'aube.
Qu'est-ce que je vais faire avec ma hache? Pour faire le truc de fusible là? Poum poum poum. Non. Cul. Je crois que les objets s'utilisent tout seul. Ah, ou alors pour péter le bois là. Y aller là-bas. Je vois rien. Alerte. Oui. Je vois rien. Allô. Allô. Là. Une échelle infusible. Fusible? Non? Pas fusible? Oh, putain, mon nom m'a foutu les boules. C'est bon, si, c'est genre fusible. Yes. Kijiji. J'ai tourné la tête pile au moment où il y avait un truc, forcément. Il y avait une ombre, je crois. Je crois qu'il y avait une petite ombre. Mais qui a foutu tous ces meubles en plein milieu, en vrai? Qui s'est amusé à faire ça? Pef! Bah voilà. Je peux toujours pas aller là par contre. Hein. Je crois que c'est trop noir. Je comprends toujours autant rien au map. Bonjour. Oui. Ah! Une femme, je crois. CM. Bon, je sais pas, c'est quoi. C'est une douche, ça? C'est les déménageurs. Les déménageurs de l'extrême. Ah, j'ai une clé! Jeudi soir, les gars les plus audacieux ont commencé à aider Andrew à faire des barricades et des clôtures des meubles dans les chambres et les couloirs. Ah, donc on a une explication pour les meubles. Nous attendons que Makar attrape l'un des gars, ce qui signifie qu'à part la cuisine, il est en sécurité partout. Ensuite, nous passons aux choses sérieuses. Ville, bien sûr, mais il semble que tout le monde... Putain, cette traduction... a déjà expliqué ce qu'il faut faire et comment se comporter pour ne pas se faire prendre par lui. Mais tout de même, les mecs se croisent. On ne peut pas sortir de l'école. Sur le... au premier étage, il y a des bars partout. Les sorties sont fermées ou bloquées, la porte du deuxième étage est fermée, notre seule chance de survivre est de tenir jusqu'à samedi matin lorsque nos parents commencent à venir nous chercher. Ok, donc malheur au pensionnat en gros, quoi. Cauchemar au pensionnat. Oh, il y a un yaourt. C'est un yaourt? Nous atteindre la traduction. Ya. Yeah. Bon, j'ai une clé, mais alors la clé de où? C'est pas la clé de ça. Le mec a fait exprès hein, de pas mettre un bouton de course. Hein. Je parie qu'il l'a fait exprès. Juste pour que son jeu dure plus longtemps. Celle-là, c'est une fausse porte. Putain, ça me fout les boules à chaque fois. Je suis sûr de mettre un bar devant une porte. Ça empêche pas tout le monde de franchir. Cette lumière, est-ce que c'est celle-là? Non. Merde. Bah attends, j'ai fait toutes les portes, non? Pardon, bonjour. Toujours pas compris si elle était pendue ou si elle flottait, là. Oh les boules. Je vais peut-être juste me barrer, en fait. Non. Non. J'ai fait toutes les bords du jeu. Ah non, ça, c'est ça. Peut-être. Ça, là. Oui. Alors, la chambre numéro 9 et la chambre numéro 2. Il y avait des numéros, chambre? J'ai pas fait gaffe. OMG, je vois rien. Non. On va dire qu'elle est pendue, hein, mais...
Ah oui, il y a des lumières aux chambres, en effet. Coucou Mio, tu vas bien? Deux. Mais... Ah mais j'avais oublié. C'est là où il y a quelqu'un. C'est pour ça que je peux pas l'ouvrir. J'ai la 9. 5. Ça c'est la 7. Bah, what the fuck? Il y a un couteau dans les chambres d'enfants. Tout va bien. Vendredi matin, je tremble encore d'horreur. André est parti le matin pour aller chercher quelque chose à manger. Il a commencé à faire sortir les gars de la salle à manger un par un. Ces gars qui avaient été surpris par Macquart. Il est difficile de décrire ce qu'ils sont, qui ils sont devenus. Il y en a sept. Il leur manque presque tous les deux mains. Toutes les deux mains. Enfin, toutes les mains. Les deux mains, quoi. Seuls deux d'entre eux en ont une. Attends, quoi. Personne n'a la langue. Et tout le monde a les deux yeux arrachés. Sauf un dont il n'y a qu'un seul arraché. Ils sont tous couverts de sang, littéralement couverts d'ailes. Presque nus. Certains en portant le pyjama. Ça devient une énigme. Trois d'entre eux étaient hystériques à leur vue, sans bien crier toute la force, peu importe comment nous avons essayé de les calmer, ça n'a pas fonctionné. Nous avons dû courir dans une autre pièce car ils marchaient déjà. Trad est tellement drôle, putain. D'accord. Non, ça j'aime pas moi. Ça moi j'aime pas moi. J'aime pas. C'est pas sympa. Coucou. Ça c'est la 9. Oh non, je peux pas rentrer. Ah, c'est pas une chambre, ça c'est un bureau. Oh! Je récupère plein de petits papiers. Ça va me donner un code peut-être, à la fin. Oh bordel de merde. Oh, je dis pas tout, c'est long. De toute façon, on va rien comprendre, je pense. Ah, l'enfant n'a pas de bras gauche, son corps était couvert de brûlures et Tout d'écorchures va bien, tout va bien, tout va bien, surtout pas de mineures. panique. Pas de... Putain. Ah! Non, mais avance par contre! Je me gueule pas dessus! Mazen Tseva n'était pas la mère du garçon, elle l'a trouvé dans la forêt et elle l'a caché à tout le monde. Elle a décidé de le donner à tout le monde pour son fils. Quoi? Le directeur a permis à Macquart de rester. M'a demandé à te faire un portrait psychologique de l'enfant. Il était complètement non humain et très agressif. Le garçon avait 6 ou 7 ans. Il mangeait mal, etc. L'enfant arrive dans un état dépressif, essaye d'entrer le moins possible en contact avec tout le monde qui l'entoure. Il a une agressivité évidente. En essayant de toucher le moignon. Pardon. Ah oui, il n'a pas de bras, donc c'est pour ça. Oh, c'est pas drôle, mais bon, bah ouais, mais bon, bah, les moignons, quoi. Ça parle de moignons, bah ouais. Moi, forcément, ça me fait rire. Y a pas une petite clé ici? J'ai encore des clés? Il essaie de lui toucher le moignon. C'est l'un des nôtres! Un moignophile. On rigole, mais il y a des gens qui ont toutes sortes de perversions. Mais j'ai pas été ici. Gérou! J'ai été là? C'était un poulet? Attends, mais je comprends rien où je suis. Putain, les boules. Bordel de merde.
Non, je peux toujours pas rentrer dans la 2, mais je crois que c'est la seule clé qui me reste. Ça suffit. Ah, mais c'était pour ouvert avant ça. Oh oui, je veux bien une lampe. Ah non, j'ai pas une lampe. Ah non, mais je dois un texte. Nous a expliqué que c'est tout macabre. Il attrape les enfants et les traîne dans la cuisine, d'où les cris terribles. Ils étaient tués là-bas, quelle horreur! Il nous a laissé la nourriture, il nous a dit de pas quitter la chambre, pas faire de bruit. Je pensais pas que ce tyran aiderait quelqu'un. Putain, les poules. Non! Oh, en plus, vous mettez le toc-toc au même moment, quoi! J'ai cru que ça donnait du jeu! Non! Ça suffit. Pour aller danser le yerk! C'est de la musique pop! Coco, ça suffit, hein! Ça le suffit! Je sais pas où je dois aller! J'ai pas d'autres clés? Attends, j'ai la clé de là. La 18, la 13, la 9 et la 7. J'avais pas la clé de la 2 tout à l'heure. Ça tape. Ça tape pour moi. Ça tape pour moi, moi. Comment un truc, mais. Putain, mais par contre, je sais pas où il faut que j'aille. Hein. Ouais, je sais qu'il y a des numéros sur les papiers, mais. J'ai vu aucun endroit où il fallait mettre un code, hein, donc pour le moment, ça m'aide pas plus que ça. Oui, il y a quelqu'un qui flotte. Je sais pas si elle est pendue ou si elle flotte. Là, y a rien d'autre, j'ai pas loupé une clé. L'impression, hein. Bonjour. Alors, je pense qu'elle est pendue, mais vu qu'on n'a pas vu la corde une seule fois, je peux pas pousser. Ah, mais c'était pas bloqué ça avant. Ah, je peux aller là maintenant. Oh, un petit bras. Andrew, oh là, il m'a donné du rouge jaune pour me distraire et me calmer. Bon, un peu sale, mais je l'ai acheté, attaché sur ma tête. Merci. Les hurleurs n'étaient plus là. Nous avons nourri du mieux que nous pouvons. Oh, la nourriture devait être mâchée pour eux et jeter un petit morceau dans le larynx. Ah. Oh. Après, elles n'ont pas de langue. Ah. Oh. Ils se déploient sur le côté jusqu'à qu'ils se cognent contre le mur avec leur corps, puis longent le mur, jusqu'à qu'ils s'enterrent dans un coin ou quelque chose de similaire. What the fuck? Il s'est passé quoi? En gros, ils sont que avec des gens mutilés et tout. Bonjour. Oula. J'ai pas l'air de pouvoir rentrer. Bon, non pas que j'en ai envie. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc tout le monde a perdu ses bras, tout le monde a perdu... Putain... Tout le monde a perdu un truc. Un bras, une main... Un œil. Oh non, des faux reflets. Un cœur du texte! Andro a été pris par cette merde. Rita m'a attrapé, m'a jeté avec force sur le sol. J'ai vu Rena presser son pied sur la gorge d'André. Et d'une main, elle essaie de retirer le couteau de son côté. Cours, s'il te plaît, cours.
Ok, donc elle s'enfuit. Coucou Aslan, tu vas bien? Une armée de moignons, c'est ça. Oh. Il y a un marteau là. Je peux prendre le marteau? J'étais en train de me demander si j'étais un enfant, mais non. Je ne crois pas. Ça va pas aller, hein. Il y a un petit bras là-haut aussi. Des petits bras, des petits bras. Ah! Attendez. C'est quoi le code du coup? 2811. 2811. Merde, c'est pas ça. Oh zut. Vous savez dans quel ordre on les a trouvés? Oh zut! Je sais plus moi. Un ordre de couleur. Ouais, mais j'ai pas vu d'histoire de couleur moi. Mais en fait, il y a quelqu'un dans le casier là, non? Oui, d'accord, oui. Putain, sa mère! Non, je me casse. Bon, attends. Il n'y a pas 500 000 possibilités. 1, 8, 2, 1. Suffit de taper là! Des bras de partout. Les moignons, vous devez m'écouter! I am the queen of the moignons! Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé quelqu'un du vivant? Incroyable! Le bif! La magie du bif! C'est un peu sale la cuisine, ouais. Ah! C'était un The End caché derrière cette porte. J'ai rien compris.